Hello, hello guys, ça qu'a fait. Nous retournons encore pour une belle petite vidéo nous porter pour vous qui est vraiment utile. Dans la vidéo aujourd'hui, nous voulons partager avec vous 8 autres sites internet où tu dois connaître pour apprendre et former tête en ligne. Si nous changeons, nous te partager avec vous avant ça dans une vidéo 8 sites ou soit plateforme éducatif en ligne pour apprendre en pile bagage sur yo. Si vous regardez la vidéo, je vous encourage à regarder après ça. Je vais quitter le lien en bas de la vidéo pour nous capables regarder après nous finir de regarder la vidéo. Dans la vidéo, encore, nous allons partager avec vous 8 nouveaux sites encore pour apprendre en ligne. Ça veut dire, n'importe côté où vous allez, sans payer un goût pour ça et sans que vous n'ayez pas besoin d'aller dans l'école physiquement pour ça. Je vous encourage à suivre la vidéo jusqu'à la fin pour plus de détails. Nous retournons pour plus de détails. Avant de commencer, je vous demande tout bas la vidéo à un like. Après ça, quittez un commentaire là où vous regardez la vidéo ça et tout abonnez à la chaîne là si vous pouvez faire ça. 8 sites internet pour apprendre une série de cours en ligne, que ce soit gratis ou soit payant, sans que vous n'ayez pas besoin de faire aucun déplacement pour ça. Écoutez, les mêmes possibles pour joindre un certificat à profil suivre pour ça. Tout le monde qui t'a aimé apprendre un nouveau bagaille, tout le monde qui aimé craser bête et mettre connaissance sur yo, eh bien, cette vidéo ça c'est pour nous. Yo le premier site moi vais partager avec nous, je dis c'est fun.moc. Fun.moc. Sur site ça, ou capable apprendre en pile coup sur diverses catégories bagaille tant qu'on dans domaine économie, éducation, droit, informatique, environnement, langue étrangère, etc. Le deuxième site que je voulais partager avec nous, c'est FutureLearn. FutureLearn offre toute une gamme de cours, tant que sous business avec management, sous médecine, sous sciences informatiques, sous droit, sous sciences éducation, etc. Donc, nous sommes capables d'utiliser ce site ça pour nous apprendre en pile bagaille. Le troisième site que nous voulons partager avec nous, c'est Codecademy. Codecademy, eh bien, si vous avez apprendre à coder, ou remè programmation, eh bien, site ça apiti nous en pile. Que ce soit pour apprendre faire programmation ou du moins améliorer dans le domaine. Yon nan quatrième site que moi voulais partager avec nous, c'est Allison. Allison.com. Allison li offre cours sous technologie, sous langue, sous business, mathématiques, marketing, etc. Et gain cours fin suivre pour capable prendre certificat ou soit diplôme à pour fin suivre. Moi encourage nous utiliser plateforme ça pour nous capable former tête nous en ligne. Et cinquième plateforme m'a recommandé nous pour nous apprendre en ligne c'est Open Classroom. Open Classroom c'est une plateforme qui offre diverses qualités cours dans domaine business, système et réseau, marketing et communication, sciences éducation. Et c'est une plateforme tout, après chaque cours ou fin suivre, il offre un certificat pour ça, et même qu'après un diplôme qui reconnaît internationalement. Et si vous regardez bien, capable sous plateforme ça, moi gagne un plan premium plus. Et si vous regardez bien, moi gagne un boost pour apprendre web development, ça veut dire programmation web pendant 12 mois sous plateforme là, que Facebook lui-même lui paye pour moi chaque mois. Et à la fin, je suis capable de joindre un diplôme dans le domaine web development. Et si vous-même tout à l'heure, connaissez comment pour appliquer, pour joindre un boost de titre, même genre que Facebook lui-même lui finance pour moi, eh bien, écris ça dans un commentaire. Dans une prochaine vidéo, je vais montrer comment pour appliquer et pour yo agréer des demandes ou moi. Tout ça, c'est une série de cours que je suis sur la plateforme. Non? Et je joindre une série de certificats. Et après chaque coup ça ok moi et fin suivre. Sixième plateforme m'a recommandé nous pour nous capable apprendre en ligne c'est Pluralsight. Pluralsight si vous besoin jouer un cours qui vraiment avancé dans le domaine technologie, programmation web, cybersécurité, architecture, construction, etc. Et bien Pluralsight c'est une meilleure site qui capable offrir ça. Septième plateforme que m'a recommandé nous pour nous apprendre en ligne c'est mymooc.com.
Et bien, si vous avez besoin d'améliorer et perfectionner dans un domaine, ou besoin de cours qui seulement en français, et bien, vous êtes capable de joindre tout un ensemble de cours en français dans divers domaines sur MyMOOC. Donc, vous êtes capable de suivre toute catégorie de cours sur la plateforme. Ça. Et finalement, 8e plateforme n'a recommandé pour capable apprendre en ligne, c'est CoolCD. Et bien CoolCD lui propose toute une série de cours dans diverses catégories différentes. Ou capable apprendre pile bagage sur site ça, si vous aimez apprendre et former tête en ligne. Voilà tout le monde, c'était toute série site ça nous t'ai choisi partager avec vous. Si toutefois ou aimez former tête en ligne, joindre certification ou soit diplôme dans un domaine quelconque tout pendant ou pas payer yon goud pour ça sans déplacer et sans pas aller dans aucune faculté ou soit université physiquement pour apprendre. Si tu aimes cette vidéo ça, moi encourage bay vidéo à yon like, quitte yon commentaire pour dire ça ou penser et si toutefois ou pour abonner à la chaîne là, moi encourage vous faire ça depuis kounia, yon façon pour encourager me porter plus vidéo pour vous toujours. Parce que dans la prochaine vidéo, nous allons montrer comment vous prenez certification dans Google Academy, YouTube Academy, Facebook Blueprint, etc. Bye bye tout le monde, à la prochaine, nous allons croiser dans la prochaine vidéo.